14 juillet, il faisait chaud, très chaud sur la place Pigalle. Un gros ballon sans bruit, gravement ambulait par la route céleste, unique et nationale. Il faisait soif, très soif, et le petit jet d'eau, esclave du destin, montait de bas en haut. Il était environ 9h35, la douce nuit venait de tomber avec grâce. Et le petit jet d'eau pleurait sur le bassin lorsque je vis passer au milieu de la place un omnibus auto, mobile, entendez-vous, avec de grands yeux verts et rouges de hibou. L'omnibus était vide, il écrit tout complet, détaché sur fond bleu, c'est cette lettre de flamme. Je suivis au galop le monstre qui passait, en écrasant avec des airs d'hippopotame des femmes, des enfants, des chiens et des sergots, des députés et des tas d'autres animaux. Enfin il s'arrêta, place de l'Opéra, et je vis qu'il était chargé de sacs de plâtre. Ces sacs, me dit le conducteur, ces sacs sont là pour remplacer le bois, viageur à cariâtre. Nous faisons des essais depuis plus de 20 mois, et ces sacs sont pour nous autant de gens de poids. Mais pourquoi dis-je au bon conducteur de l'auto, qui venait d'écraser ces piétons anonymes, pourquoi des sacs plutôt que ce cher populo? C'est, me répondit-il, sur un ton de maxime, c'est, voyez-vous, pour éviter des accidents de personnes qui pourraient bien être dedans. C'était pendant l'horreur du 14 juillet, il faisait chaud, très chaud sur la place Pigalle. Un gros ballon sans bruit, gravement ambulait par la route céleste, unique et nationale. Il faisait soif, très soif, et le petit jet d'eau, prisonnier du destin, montait de bas en haut.